Isaac, je ne te reçois plus. Quelque chose interfère avec le signal au niveau du pont d'équipage. Je crois savoir ce que c'est. Si le monolithe est activé... Merde. Le pont d'équipage est verrouillé, mais la responsable avait peut-être une clé prioritaire. Aux dernières nouvelles, elle était dans le gymnase. Il faudra combien de temps pour installer le réacteur sur cette navette? Pas longtemps, si personne n'essaie de m'en empêcher. Fais vite, on ne peut pas leur laisser le monolithe. Habilitation confirmée. En zéro gravité. Thank you.
casier des récompenses est maintenant accessible. Félicitations. Zéro gravité.
Connexion de la carte de sécurité. Convergence. Mais vous le savez déjà. Mort ou vivant, nous ressentons tous la véritable finalité du monolithe. Vous ne voulez pas retrouver les proches que vous avez perdus? Je... Oui. Alors pourquoi ne pas m'aider? Monsieur Temple a refusé. Mais nous sommes si près du but. Ce qui s'est passé sur l'Ishimura n'est que le commencement. Dit comme ça, vous pouvez vous le mettre où je pense, votre monolithe. Dommage. Non ! Fais chier ! La mort est lente. En stase. Je crois que votre mort sera plus rapide.
les anges aussi. Parure monstrueuse. Le son d'une gueule. Douleur. L'ascension de l'humanité. Ne faiblissez pas. Isaac, fantôme, manie, délire et comportement. Cher monsieur, le chagrin ou la culpabilité. Ni de l'apparence de ces créatures. Les anges aussi. Parure monstrueux aux yeux. Le son quelqu'un de douleur. L'ascension de l'humanité. Patient. Isaac. Fantôme. Thank you.
Mission confirmée. Quarantaine activée.
Quarantaine activée.
Ellie. Laissez-moi entrer. Je dois détruire cette chose derrière vous. Pas encore. Si vous fuyez avec cette caravane, nous mourrons tous. Lorsqu'ils sont partis avec le monolithe du G7, ça a réveillé l'entité endormie au cœur de la planète. L'humanité disparaîtra. Mais le monolithe, Amelia savait.
Elle m'a dit qu'il replongerait la créature dans son sommeil. Ok, donc si on rapporte le monolithe sur Aegis-7, ça endiguera l'épidémie. Exactement. Mais il nous faut la navette pour le ramener sur la planète. Vous disposez d'un réacteur, et moi je peux vous laisser passer. Qu'en dites-vous? Si ça permet d'en finir pour de bon, marché conclu. Parfait. Je vais pouvoir distraire Mercer, mais pas longtemps. Rejoignez vite le hangar avec le monolithe. Merci, Monsieur Clark, de m'aider à réparer mes erreurs. Installez les réacteurs sur la navette. Je viens vous aider à charger le monolithe. Et ça se rapproche vite.
mise à feu des moteurs pour finaliser l'installation du matériel.
Emmenez-le. Place à la convergence. Ne faisons plus qu'un. Non, on avait promis. Sur l'Ishimura. Les systèmes internes sont gravement endommagés. Le monolithe a transpercé le vaisseau, quelque chose l'a entraîné vers la zone de chargement. Kain, emmenez la navette jusqu'au hangar, je vais chercher le monolithe. D'accord. Amelia, vite. Quoi, le docteur Kain? Ce cinglé a tué le capitaine, on peut pas le laisser approcher du monolithe. Selon lui, le seul moyen de mettre un terme à tout ça, c'est de le rapporter sur la planète. Essayons. Je rejoins la zone de chargement. Contacte Nicole par rig et dis-lui où aller. Je m'en occupe. Merci. Quand j'aurai le monolithe, on se tirera tous d'ici. Monsieur Clark, nous approchons du hangar. On s'y retrouve avec le monolithe. Arrêt imminent, pont de lancement. Oui, Amelia, bientôt. Nous allons renvoyer la reine mère dans les ténèbres. Quelle bonne idée d'avoir donné notre seule navette à ce type. Merde, Isaac. Ces trucs que tu as butés, leur biomasse est retombée dans la zone de chargement. Et s'assemble pour former. C'est un truc énorme et le monolithe est encastré en plein milieu. Comment on va faire? J'ai les grues de chargement de l'Ishimura. Elles peuvent déplacer une demi-soute d'équipement minier. Si les choses qui sont là-bas veulent se battre pour le monolithe, ça me va. Contourne les sécurités, ça pourrait marcher. Mais dépêche-toi, les systèmes critiques vont nous lâcher. Urgence.